6h10, départ en direction de Collington Hut pour tenter mon aspiring. Toujours avec le style. Bon, là, petit coup de mou. Trop par rapport à ce que je devais, et il y avait des falaises partout. J'ai pas trouvé l'endroit pour rejoindre le glacier sur le côté, du coup je suis redescendu pour trouver l'endroit et j'ai pas trouvé, et là je suis à genre, je suis juste à côté de la hutte. J'ai tout descendu jusqu'à la hutte. Ça fait 1h15 que je suis parti, retour au point de départ. Bon, j'ai trouvé le snow patch. La hutte, elle est juste derrière, à 5 minutes. Allez, on a perdu 1h30, on y va. On va voir ce que ça donne. Oh putain, bah, oh la vue d'enfer. Waouh. Oh, il y a un peu de gaz là, non? Petite pause bien méritée. Normalement, j'ai trouvé le chemin pour esquiver le buttress. On va voir. Là, ça va mieux là. On the way to the summit. On a laissé les difficultés derrière nous. Yes, I. On a mis les crampons. On se prépare à faire l'arête. Enfin, l'arête. Le ice cap. Et bah là on va re-attaquer les difficultés dans l'autre sens. Allez, ici on respire et on marche normalement. Boum boum. Après je suis plus très loin. Ah.
Ça va mieux. Ça y est, sur le retour, je viens de partir de la hutte. Normalement encore 9 heures de marche. Putain.